quelques mots. Ceux qui n'entendent ni ne voient, que tous ceux-là demeurent dans le lieu commun de la morale, tirant la langue sous la charge capitale des vertus, des devoirs, remords, etc. Le temple gardera pour eux ses portes closes. Les messieurs soumis n'ont droit qu'à du labeur. Les ongres n'ouvrent pas leurs yeux à la splendeur. Et ce n'est pas pour eux que mûrissent les roses. Pour ceux qui, étant mis à chercher, ont trouvé, ont cru trouver, mûri au fond de leur trouvaille, que leur sérénité magnifique se raille du déluge à l'abri de l'arche de Noé. Et pour ceux qui se sont usés dans la recherche, dont la voix s'est fausse et ont décrit le point cassé contre des aiguilles qui ne s'enfoncent point, les noyés dont les doigts n'ont pas saisi la perche, qu'ils se laissent, ceux-là, voguer au fil des eaux. Ils peuvent terrasser l'arbre de la science, du bien et du mal, et sur lui se mettre en danse, malgré qu'on les regarde avec des yeux si gros. Car c'est pour cela seul que la nature est grande, qui n'auront de remords que pour l'omission, qui boiront et qui mangeront leur passion, au cœur de toute source et de toute provence.